Bonsoir à tous. On débute ce journal du Mercato avec le Paris Saint-Germain qui s'active sur le marché des transferts pour se renforcer au milieu de terrain. Pas de numéro 6 en vue pour l'instant, mais deux profils plus offensifs. Le PSG serait ainsi tout proche de recruter le sévillan Pablo Sarabia, auteur d'une très belle saison. Sa clause libératoire ne s'élève qu'à 18 millions d'euros. Dans le même temps, Leonardo avancerait sur le dossier Milinkovic-Savic, avec une offre à 75 millions d'euros à venir à l'attention de la Lazio. Le Serbe se verrait proposer un salaire de 5 millions d'euros. Du côté de l'AS Monaco, ça bouge enfin. Habitué des mercatos agités, l'été est pour l'instant très calme sur le rocher, trop calme. Mais des premiers mouvements commencent à pointer le bout de leur nez en principauté. Monaco pourrait trouver ses premiers renforts du côté de Montpellier. Selon nos informations, en vue du probable départ de Djibril Sidibé, les Monégasques souhaiteraient faire venir Ruben Aguilar. Toujours selon nos informations, le profil de Benjamin Lecomte serait également très apprécié à Monaco. Le club montpelliérain demanderait au moins 15 millions d'euros en échange de son gardien. L'ASM souhaite également se renforcer au milieu de terrain. D'après nos informations, le club de la Principauté est venu au renseignement sur Jean-Michel Seri, mais la liste des clubs intéressés par son profil est longue. L'Olympique Lyonnais y figure aussi, de même que Naples, l'Inter, l'AS Roma et Galatasaray. Toujours dans le cœur du jeu, les dirigeants seraient déçus du rendement de Cesc Fabregas, arrivé l'hiver dernier. Le club souhaiterait le voir partir, mais son gros salaire devrait en dissuader plus d'un de tenter le coup. Leonardo Jardim aimerait beaucoup faire venir Blaise Matuidi, à qui il reste toujours une année de contrat du côté de la Juventus. Enfin, l'ASM se renseignerait sur João Mario, qui évolue à l'Inter. Lui qui n'a pas été toujours titulaire à Milan cette saison pourrait ainsi retrouver du temps de jeu sur le rocher, d'autant que le club transalpin ne serait pas contre le fait de le voir partir. Et justement, à l'Inter aussi, il va y avoir du mouvement pour ce mercato. Les Nerazzurri veulent offrir du lourd à Antonio Conte, le nouvel entraîneur, afin de retrouver une place parmi les grands d'Europe. Le nom de Romelu Lukaku a beaucoup été évoqué à l'Inter. Cela semblait même très chaud il y a quelques jours. Pourtant, la presse italienne annonce un accord du club lombard, mais pour un autre numéro 9, en la personne d'Edin Dzeko. Le joueur pourrait être annoncé dans les prochains jours. Les Nerazzurri sont également très chauds sur Nicolò Barella et devraient revenir à la charge auprès de Cagliari avec une nouvelle offre, supérieure à la première estimée à 36 millions d'euros. L'Inter aurait aussi fait une offre au LOSC pour Nicolas Pepe. On parle ici de 90 millions d'euros. L'Atlético de Madrid aurait proposé le même montant pour faire signer le jeune attaquant lillois. A noter que ces deux clubs seraient également en concurrence sur un autre dossier. L'Inter et l'Atlético lorgneraient tous deux Ryan Bertrand, le latéral gauche de Southampton. Son transfert est estimé entre 12 et 16 millions d'euros. Enfin, le club lombard est également en course avec le PSG sur deux latéraux droits au profil offensif. Il s'agit de Valentino Lazzaro du Hertha Berlin et de Youssef Attal de l'OGC Nice. Et puis, c'est officiel, l'Olympique Lyonnais s'est offert les services de João Lucas. Le milieu de terrain brésilien de 21 ans s'est engagé pour 5 ans avec le club rodanien. William Vainqueur débarque à Toulouse sous forme de prêt. Le milieu de terrain portera le numéro 21. Jean-Victor Makengo est lui aussi prêté à Toulouse pour la saison à venir avec une option d'achat. Il arrive en provenance de Nice. Enfin, Quincy Promesse a signé à l'Ajax Amsterdam pour les 5 prochaines saisons. Auteur d'une saison mitigée avec le CVFC, Promesse a donc choisi de retourner au pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.